Bienvenue sur Guérite TV Monde, élection consulaire à la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin, le groupe Renaissance d'économique en ordre de bataille. Il a tenu dans ce cadre une séance de partage avec les opérateurs économiques du Septentrion ce mercredi 11 décembre 2019. C'était dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Parakou. On fait le point avec Chamdine Badao. Victoire! Renaissance économique! Victoire! Renaissance économique! Victoire, victoire, victoire. Ensemble pour une chambre de commerce et d'industrie de qualité. C'est le mot d'ordre de campagne du groupe Renaissance économique. Dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Parakou, mercredi 11 décembre 2019, ses membres ont salué d'entrée de jeu les réformes opérées par le gouvernement de la rupture en vue de la redynamisation de cette institution. Le gouvernement de la rupture nous enseigne que désormais, plus que par le passé, la CCIB a l'obligation de jouer son rôle d'institution fêtière du secteur privé. Ce qui signifie que les élections qui s'y déroulent restent et doivent rester professionnels. Chers collègues opérateurs économiques, l'État a besoin d'une institution représentative du secteur privé, forte, pour l'accompagner dans l'opérationnalisation de sa politique de développement économique de notre pays, le Bénin. L'équipe des chefs d'entreprise que nous constituons ici, dans les deux régions économiques, à savoir la région économique de Natitingou et la région économique de Parakou, avions très tôt compris cette vision stratégique du gouvernement pour la CCIB et sommes engagés pour l'accompagner dans la réalisation de ses ambitions économiques pour notre beau pays, le Bénin. Le groupe Renaissance économique, c'est un bloc très soucieux de l'avenir des opérateurs économiques au Bénin. C'est un groupe qui veut défendre la cause des opérateurs économiques béninois. Je vous invite alors à faire confiance à ce groupe. Ensemble, nous allons relever les défis de notre pays. L'équipe du bureau consulaire s'engage à gérer l'institution dans l'intérêt supérieur des opérateurs économiques et de la nation. Cette valeur se traduira concrètement par l'honnêteté, la transparence, l'équité, la sincérité, le respect des engagements, le respect des normes, la responsabilité et l'utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et temporelles. Le groupe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais c'est une vision qui réunit des opérateurs économiques. Ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir, où c'est quelqu'un qui rassemble des gens autour de lui et c'est lui qui fait, c'est lui qui voit tout. Non, ici, c'est vous qui faites la renaissance économique. La machine du groupe Renaissance économique est ainsi mise en branle dans la perspective des élections consulaires du 18 décembre prochain à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Après Parakou, cette machine sera déployée respectivement à Abomey, Lokossa et Cotonou.